c'est vrai que le croquis, il se fait pas sur la feuille ou sur la toile, c'est vrai qu'il se fait quand même dans la tête. Et ça me demande du temps, de la réflexion, parce que je construis tout mon travail, je le préconstruis, je vais dire, dans mon esprit. Puis dès que je sens que c'est à peu près prêt, eh ben je le récurgite, quoi. C'est une réflexion qui est venue après le choix donc du collectif du Routard de faire un travail autour de la pause café. Assez vite est venue l'idée de dire je vais travailler avec les peuples premiers, puisque le café, il vient de quelque part, il est transformé par des gens, ils le ramassent, il y a du monde là, il y a des petits producteurs, des petits, des grands, il y a des producteurs de café. J'ai imaginé un personnage comme ça qui peut venir soit d'Afrique, soit d'Amérique du Sud, je n'en sais pas trop, qui est complètement étranglé et qui pleure des larmes de café, on va dire, et qui est étranglé. Et de son corps jaillit le café qui tombe dans des tasses des tasses de chez nous, quoi, des tasses de bons petits Européens qui vont boire leur petit café le matin, quoi. J'aime les révolutions parce que c'est un moment où on met à plat les choses et bien souvent ça vient du peuple, donc c'est intéressant. Mais ça a souvent des revers un peu difficiles pour le peuple. Mais je pense que quelque part je suis révolutionnaire, oui, quelque part je dois l'être. Je viens d'Afrique du Nord, d'Algérie. Je suis né en Algérie. Je suis ce qu'on appelle, ou qu'on a appelé, ou qu'on appelle toujours un pied noir. Famille classique, très, très catholique, très religieuse. Voilà l'anecdote. Pendant longtemps, quand on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», je disais « je veux être prêtre comme tonton ». Est-ce que c'est par contre-pied que tout d'un coup je suis arrivé à la maison avec un disque d'Hendrix? Oui, je crois que c'est un peu une révolution, c'est un petit peu me dire mais il y a autre chose aussi et on me cache cette autre chose quelque part. Je suis en colère contre les hommes, tout simplement. Et c'est un peu le leitmotiv d'un travail de colère, c'est un travail de révolté peut-être. J'aime bien aller gratter là où ça fait mal, là où ça embête, quoi. Et c'est vrai qu'en grandissant, en lisant, en m'intéressant, quoi, donc aux Indiens, bêtement ce qu'on appelle les Indiens, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Ben, se retrouve dans le pays maintenant, qui est le pays soi-disant le plus riche, le plus civilisé, le plus en avance, le plus ci, le plus là, ben, ces gens-là, ils sont parqués. Ils sont là, dans des réserves. On n'aime pas trop qu'ils en sortent. Tous les médias les traitent d'ivrognes, de moins que rien, et de machin, pour les laisser vraiment au plus bas. Et ils crèvent. L'espérance de vie dans une réserve comme Pine Ridge, c'est 35 ans. Oui, on est locataire de la terre, c'est-à-dire qu'on est là pour un certain temps, on n'est pas propriétaire.
c'est pas à nous. On la partage avec tout le monde, gentiment. Et c'est pour ça qu'il faut aussi penser que derrière nous, on a des enfants. Je fais attention à l'eau, à mes plantations, à ce que je mange. Parce que je trouve que c'est très important. On a tout détruit et maintenant on est dans la panade. Et donc il va falloir se remettre un petit peu, se gendarmer un peu et se remettre à des choses plus simples, quoi. C'est pas toujours facile de rencontrer la personne qui va nous permettre de manger tous les jours, donc l'acheteur. C'est pas simple, les galéristes sont de plus en plus durs à attraper. Donc c'est vrai que on est obligé, comme beaucoup, comme la majorité des artistes, d'aller faire des petits travaux pas toujours très reluisants, pas toujours super, mais ça fait rien. Ça nous permet de manger, d'avancer, de continuer à travailler notre passion. L'homme ne vit pas que de pain, il a besoin aussi d'imaginaire, de légendes, de mythes. Mon rêve le plus fou ou le plus... c'est un rêve que je pourrais jamais réaliser, c'est d'être un oiseau. D'avoir des plumes sur les bras et puis de pouvoir m'envoler et aller picorer dans ces champs magnifiques et puis et de les survoler. Peut-être un corbeau. Ouais, un corbeau.